Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode. Tu peux pas power stance un marteau et une épée. Oh, c'est pas grave. D'ailleurs, je voulais ça. Pour l'instant, tu donnes un coup avec les deux armes en même temps, mais il faut que ce soit les mêmes si tu trouves un autre gros marteau. Ah! Ou alors une deuxième grosse épée. Deuxième Dragon Slayer, ça peut être pas mal. C'est vrai. Voilà, j'ai bien optimisé là. J'ai un autre gros marteau. Le dragon Great Claw, que je rentre la sentinelle devant la capitale. Allez, on va. C'est où les gomato? Griffe draconique. Ah, j'ai le pizza cutter aussi. Allez, on va. Comment on fait? Ah, comme ça, ok. Oh. Ok. Je... ouais. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant, c'est auto dans le Den Ring. Ouais, j'ai... ok. I see. Par exemple, tu peux power stance le Dragon Slayer et l'épée de Goth. L'âme digicide. Grand muguet fantomatique. Y'a rien là-bas derrière? Oui, la grosse épée toute moche là, ouais. Je vois. Celle-ci. En effet. Oh, qu'est-ce qu'elle est moche cette épée par contre. Ah. Faut que... ouais. Je sais pas si... alors, je pense qu'au niveau... Poise damage, les marteaux, ça peut être... c'est mieux. Ok, je reviens là. Ok. Je vais level up. Ça dépend. Bah oui, mais en règle générale, les marteaux, bah ouais.
ça poise damage bien. Il était où le truc? Là. Bien quoi? Je te donne le même autre marteau. Ah mais t'inquiète. Je vais trouver un truc. C'est le même que moi. Aïe! Oh putain. Ah, salaud! Oh là là. Voilà, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse maintenant dans Kron? C'est quoi le nom de ton arme? Alors, j'ai le grand espadon lourd et le grand marteau de prélat. Je taille à gauche de l'entrée du boss du cerf pour faire le saut. Ah oui! Ok, je vois. Yes. Indeed. Dankeschön. Corne de focalisation. J'en ai beaucoup de la rosée céleste là, ça sert à quoi? Rosée céleste, c'est pour virer tes sins.
Moi j'ai pas signe moi. On reste des NPC. Oh j'ai pas signe moi. Par contre, tu sais pas si je suis allé au bon endroit là en fait. J'ai pas l'impression. Parce que là je reviens à Siofra là où il y avait le grand homme dragon. Donc c'est pas là que je voulais aller. Ah non, ok. Oh ouais mais là maintenant je peux. Ouais. Je vais TP. Hop. T'as l'entrée du boss serre que tu viens de faire. Oui. Sur la gauche, avant les escaliers, t'as un passage. Allez, on va. Intéressant. Ah bah oui c'est là, ok c'est bon. Je vois. Qu'est-ce que je ferais sans Vaïs quoi, franchement. Sans lui je serais encore Keblo sur What was his name? J'ai tellement de connaissances sur ce jeu, je me demande encore pourquoi faire. Come to me. Ça aurait été bien qu'il tombe dans le vide. Oh là là. Ah non. 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 La panique est totale, cet homme est fou. Non, putain j'ai mal joué, j'ai joué comme une merde, non. Tu peux power stance avec la gargoyle Great Sword et la Dragon Slayer, je crois. Les deux sont Sein to Be en strength. L'arme, je vais l'avoir soon. Si tu parles des deux gargouilles, Soon, ça s'applique pas. Parce que ça sous-entend que je batte le double boss avant. Mais si, easy. Ce mob, tu peux le faire tomber dans le vide. Bah, il a pas envie. He no want. Le missile drop. Spell dommage qui explose into oblivion. Mais il faut ce qu'il faut. Ce spell qui éjecte tout le monde. Ah oui, 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 je vois lequel.
Mais pourquoi? Mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi je fatre? Ok, donc faudra m'expliquer. Mon perso, il était lent. Je sentais les vibrations de ma manette qui donnaient des impulsions, comme s'il y avait un tremblement de terre dans le jeu. Hein? Tu n'as plus ta Great Rune. C'est à cause de ça! Oh putain! D'accord. Bon, je vais revenir à bon vieux combo de la tortue alors. For now. Putain, c'était à cause de ça. Bordel de cul. Ah, c'est mieux là. Arrête de faire ça. Oh putain! C'est tout simple en fait, toi t'étais déjà prêt à insulter des mères. Quelle indignité! Ouais. T'es dans les starting blocks là. Mais j'ai appuyé sur la putain de touche de putain d'esquive de Sarah Smoothie! Mais... Si jamais vous êtes un enfant et que vous regardez cette vidéo, je vous prierai de ne pas répéter ce que vous entendez. Sinon, ça va chier. Failli louper mon saut. Pas répéter ni reproduire mes actions. Et aussi l'abus d'alcool. Non, l'abus d'alcool peut être. Non, en fait. Arrête de faire ça! Oh! Voilà! Rien à foutre de ton bouclier à cornes de Seymour. Encore un là-bas? Peut-être une source de plaie. Ouais, en fait, non. Ouais, non, non, l'abus d'alcool, c'est pas bien. C'est pas bien du tout, faut pas. Hein. Jamais. Encore un toit? Reviens là! Interdit!
Mais j'ai pas envie de l'affronter parce que je connais pas son arme. Indy for Vice, mais si tu l'affrontes pas, tu peux pas connaître son arme. Ce qui est vrai, mais style flemme. On dirait qu'il y a... Sinon, t'es quelle tortue ninja? Elle est dégueulant. Je sais pas, je vais pas encore trouver de nom. Moi je dis, t'es pas un bonhomme ni une tortue ninja si tu pètes pas ce mob. Oh putain. Mais je connais pas son arme. Oh. Attends. Hein? C'est quoi tous ces centipèdes dorés là? Pourquoi tu veux la connaître, son arme? Bah, pour pouvoir un minimum anticiper ses attaques. Genre pour que ce genre de truc ça n'arrive pas, tu vois. Voilà. C'est qui la tortue maintenant, hein? C'est qui? KLM, ses centres d'intérêt, je te spoil son arme MPTDQ et du tarnished. Les lancers sont plus simples que ceux au shield. Visiblement. C'est pour ça que je t'ai conseillé de le faire. Non, c'est pas pour ça qu'il m'a conseillé de le faire. Tu m'as conseillé de le faire parce que tu voulais voir si j'étais capable de pas... Oh, fuck my life. C'est déjà là. C'est déjà là. Quel enfer du cul, vraiment. Arrête de bouger, de faire la crevette, ça me gonfle! Oh là là! Ok, elle est où l'autre? Oh putain! Moi je dis empoisonné. Mais pourquoi je peux pas empoisonner les gargouilles? Ouah!
mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, ouais. Bois une fiole de mana pour faire ton hache. Non mais c'est des crevettes, ça sert à rien. Ça non. Il bouge tout le temps. J'avais oublié que Pop la mini pierre ça utilise de la vie et pas de la mana, putain! Ok. Va. Ouais, j'ai pas aimé la phase, j'ai pas aimé du tout, j'ai pas kiffé. Après si tu prends les phases, oh ça va hein. Prends-moi ces putains d'âmes, merci. Oh là là. Oh! Allez! Ok. Ça se présente bien. Merde! Et mes putains de délai dans les attaques de Seymour. Ouais, je sais, il me manque pas grand chose, mais ça va le faire. Oh là là. Va te faire foutre, espèce de gargouille de merde! Putain, je vais récupérer mes âmes là, j'en ai ras-le-cul. Ugh.
Allez! Nice! Nice, nice, nice! Ok, c'est pas ce qu'elle a fait, mais elle l'a fait. Putain de... Reste pas dans le... Oh, la mimique tire, elle fait de la merde. Dans la panique, il ne dut aller... Ah merde! J'avais même pas fait gaffe. Ah oh, putain. J'avais pas vu. T'as loot une autre épée. Ouais, je sais, je sais. J'ai vu. Gargouli, il est tout solide. Non, parce que c'est pas un ultra espadon. C'est pas une ultra great sword. J'ai ça, mais je peux pas. Non, non, c'est ça. Espadon gargouille. C'est pas la bonne arme. Merde. Non mais de toute façon, c'est pas une ultra... Les espadons, ils sont là. Enfin, les gros espadons. Les épées colossales, ouais, ils appellent ça comme ça. Les Ultra Great Sword. Voilà, alors là, attention, la magie. Je touche plus rien, vous allez assister à la magie. Ah, la manette! Putain. Alors, vibrant, elle glisse et elle tombe. Évidemment, quand tu vois un gros cercueil en pierre ouvert au pied d'une cascade, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu rentres dedans, c'est logique. Et du coup, tu te retrouves transporté dans un autre endroit. Il peut que Power Stance avec la Grafter Greatsword. Bon. Pour un build full strength avec la Dragon Slayer. Ok. Oh. Allez, ça c'est fait.
Ou bien je te drop une autre Dragon Slayer pour deux fois plus de compensation. Mais je peux en racheter une, non? Parce que Iji, il en a une sur son truc là, sur son enclume. Je sais pas. Attends, c'est quoi? Je vais aller checker. Alors, Iji, il était là. General Radahn, the general was blighted by scarlet rot and driven to madness. There is no parallel to your achievement. Thanks to you, Lady Rani's fate once this end and the grand make it. Ah bah non. Tant pis. Qu'une par playthrough. Ça, oh! Foutre. Oh okay. Si tu peux power stance aussi avec la Watchdog Great Sword, mais c'est un drop rare des boss Gargouisha. Ah oui, oui, je vois lesquels. Mais va te faire foutre! C'est bon, est-ce que je peux te... Voilà. Putain, j'ai pas une believe. Merde. Toutes les autres ont des prérequis autres que Strength et Dex, genre Arcane, Faith, Intel. Ouais. J'aurais du grid, ouais. J'aurais du grid. Voilà. Là, la Great Sword, ton arme n'est pas une Great Sword, mais une Colossal Sword qui s'appelle Great Sword. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est quoi ça? Ah, salut moi. Ouais, c'est des grosses fourmis. Qui ont la tête très dure. Eh merde, putain.
Ah, mais il va te faire foutre. Voilà. Mais toutes les armes colossales ne peuvent pas être couplées pour Power Stones, même si c'est la même catégorie. Exemple, les Big Marteau avec Big Épée. Non, non. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, épée colossale, c'est épée colossale. Les marteaux, c'est grand marteau. Tu et voilà. Je refuse que tu partes. Tu me donnes ton truc. Épée colossale, c'est épée colossale et marteau, c'est grand marteau. Qu'en FR ? Ah, en anglais, c'est Colossal Hammer ? Ok. Les trad, hein, des fois. Colossal Weapons et Colossal Sword. Ok. Marrant ça. Qu'est-ce que... Car le pizza cutter c'est pas un marteau, mais en FR ça doit être un grand marteau. Bah attends, je vais te dire ça. Pizza cutter c'est une arme colossale. Ah mais les marteaux aussi c'est arme colossale. Ah non c'est parce que c'est grand marteau. C'est le nom, ok c'est le nom qui m'a... Non c'est arme colossale aussi, my bad. Luna ? Non ? Il disait bien qu'il était en train de faire pareil. De la merde. Ah il y a une grotte là-bas. Cette zone avec un display que je spam souvent. Récup ici. Encore un truc dommage. C'est pas mal, mais bon, là, tu vas fat roll avec. Ouais. Ouais, j'allais dire, il remporte pas lui quand même. Le talisman qu'il te faut, il est. Bah je sais pas. Like of Rod, c'est ça. Par du talisman, réseau maximum HP, stamina et équipe load. Je l'aime arrivé. Ouais, il a l'air bien ce talisman. Il a un joli intitulé, une jolie description. Il est dans les égouts. Ah bah super. Les égouts, j'ai tellement hâte de pas y aller. Parce que c'est extrêmement chiant.
Il est dans la salle du boss des égouts, pour faire simple. Ok. Oh mon Dieu. Ah, je peux... Je peux avoir mon cheveu d'ici. Qu'est-ce que je me fais chier, du coup. Comme ça, tu fais le boss, récupère ton talisman et laisse choper les yeux, tes yeux possédés. Ouais. Ouais. Mog, aussi, ça va être un truc. Oh, tes yeux possédés, ça influence ton énigme. Je sais. Tu as la bad ending, la friends ending. Calmer, hein. Good. Vous savez. Oh.
Mais allez mourir les putains de basiliques là! On a parti de ces merdes! Ah, vous êtes là, vous? N'oubliez pas, dans ce cimetière, il y a un cercueil normalement. Ah bon? Oui. Merde, je pouvais monter là-haut. Ah ouais, là-bas. Je l'ai vu, indeed. Attends, j'y retourne. Il est paumé là-bas, seul tout. Les boss de la zone ici. Les boss de la zone. Ah oui, les trois mousquetaires là. Ou quatre, je sais plus. Donc imagine, tu vois un cercueil. Au bord d'une cascade, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dedans. Ils invoquent le dragal. Ouais. C'est du bobsleigh. Je vois pas où est le problème. The name is Bob. YouTube, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. Salut!